Rebecca. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. T'as 5 minutes? Ouais, 2 minutes. Ouais, c'est clair. Mais dis-moi ce que tu dis. Rien. Enfin, si j'ai décidé d'arrêter ce métier, je vends des fringues à côté. Vous êtes pourtant une des rares comédiennes à qui j'ai jamais donné le conseil de continuer. Pourquoi? Parce que j'ai tout de suite eu un premier rôle dans un film. J'avais 16 ans et demi. J'étais toute jeune. Tout le monde s'occupait de moi. On me coiffait, on me maquillait. J'étais la reine de Saba. Seulement après, j'ai plus rien fait. Je refusais tout. Sous prétexte que j'étais une grande actrice, que je devais pas m'abaisser. Mais bon, il faut bien vivre de quelque chose. Pas question de me lever tous les matins pour aller travailler. Pas question de ressembler au commun des mortels. Alors j'ai commencé à vivre avec l'un, avec l'une, avec l'autre. Je m'aveuglais délibérément. Puis j'ai vraiment couché. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi la différence? Vous êtes stupide ou quoi? Je sais pas, peut-être. Dites-moi. On a 20 ans, on est belle. On est jeune. On a le monde à ses pieds. On use de son charme. Mais ça dure pas. On devient moins belle. Quand l'emprise qu'on a sur les gens commence un peu à passer. Il y a toujours quelqu'un qui vient vous faire payer l'addition. Quand on n'est pas un gosse de riche, on finit chez ses parents. Puis peu à peu, j'ai vu les autres comédiennes. Comme elles sont. Presque toutes complètement folles dingues. Les mecs pareils. Tout le monde en apparence gentil comme des cœurs. Avec des égos gros comme des cathédrales. Et moi? Et moi, je devenais comme eux. Doucement. Par paresse. Par mauvaise foi. Pourquoi vous laissez sombrer comme ça? J'ai refusé de me laisser sombrer. Justement. Vous savez, vous feriez mieux de fuir, vous aussi. Et même de fuir vite.